peu comme les remises des gens d'honneur. Ah, j'ai pas de crâne. Mais en plus solennel. Quoi. Plus solennel. Alors, Cédric Villani, la base, avec grand honneur, de vous transmettre ce virus. Transmission de virus. D'habitude, les virus, ils se transmettent de manière invisible. On les transmet par la salive, par le contact ou quelque chose. Mais là, nous avons vu une transmission d'un virus, un événement très rare dans l'histoire de l'humanité. Et donc le virus est accompagné de son certificat d'authenticité. J'espère bien que vous n'avez pas délocalisé cette production et qu'il s'agit bien d'un virus économiquement responsable. Il tient dans la main. Ça me fait penser à un sketch de Coluche. Il tient dans la main. Tu sais, t'as le schwilblick. Est-ce que le schwilblick tient dans la main? Bon, donc on recommence. Guillaume Lecointre, oui. J'ai aussi l'honneur de la part de la dame de vous transmettre ce virus. Oh, un virus avec des poils. Parce que j'ai toujours espéré que les virus aient des poils un jour. C'est formidable, ça. Du coup, je vais pouvoir les classer dans les mammifères. Ça, c'est vraiment... Et voilà. Et il tient aussi dans la main. Filasse affective pathogène. Ah ouais. Manuel, mode de transmission. Bon, je promets de ne pas prendre d'antibiotiques face au virus. Je crois qu'on va le garder avec nous. Je pense que la structure du... Ce virus a une structure si proche de moi-même que si je prenais un antibiotique contre ce virus... Je vous détruirais. Moi, c'est un peu pareil. Regarde. Ah, oui. Il y en a sur les côtés, mais pas sur le dessus, là. C'est... Eh bien, merci. Hein. Merci vraiment. Je vais poser ça sur mon bureau au Muséum national des sciences naturelles. J'ai une Marianne en plâtre. J'ai une sculpture de Fratin avec un chimpanzé en bronze qui tient un crâne humain par sa tête et qui réfléchit. Et j'aurai donc ce virus qui me représente. Entre Fratin et Marianne. C'est, je crois que ça sera bien. Ouais.